Bonjour, nous vous accueillons pour une rencontre intitulée « Une place au soleil » avec deux invités qui ont publié l'année dernière un livre qui touche de près au soleil. À côté de moi, Emma Karenini, agrégée de philosophie et professeure dans l'Académie de Versailles, a écrit un essai très complet intitulé « Soleil, mythe, histoire, société » aux éditions du Pommier. Et en visio, parce qu'il ne peut pas être là et parce qu'il n'a pas pu prendre son train, Miguel Bonnefoy, écrivain franco-vénézuélien, et l'auteur de plusieurs romans, dont en dernier lieu L'Inventeur, qui est un livre sur Augustin Mouchot, qui fut un de ces savants qui tentèrent de capter directement l'énergie solaire. Donc le débat sera, on sera à trois, mais avec Miguel Bonnefoy, qui est à distance. Donc je vais vous poser la première question, Miguel Bonnefoy. Oui, donc, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Ah d'accord, super, j'étais convaincu d'être dans une sorte de métavers où vous n'étiez pas en train de... D'accord. Bah, fantastique. Et vous, pardon de poser la question, vous avez un public devant vous ou vous êtes également dans une salle? Oui, vous voyez. Je ne me rends pas du tout compte en fait. Applaudissez, oui. Alors, je n'entends pas les applaudissements, hélas, ça doit être seulement... Plus fort. Donc, on va commencer par vous, Miguel Bonnefoy. Donc, vous avez publié à la rentrée 2022 un livre intitulé L'Inventeur, et qui est un roman d'inspiration biographique. Oui. Vous avez retracé l'histoire d'un inventeur un peu oublié. D'ailleurs, vous commencez votre livre là-dessus, parce qu'il n'existe même pas soit une seule photo, je crois, de lui. Absolument. Né en 1825 et mort en 1912, il est totalement oublié. Et vous contez son épopée avec une tendresse burlesque, car ce fils de serrurier était très loin de ressembler à un héros. Absolument. Et c'est par hasard qu'il découvre d'ailleurs le potentiel de l'énergie solaire. C'était un professeur dans un lycée, un professeur de mathématiques. Et à 35 ans, il va déposer un brevet en 1861 qui est une machine... qui marche à l'énergie solaire et qui s'appelle l'héliopompe. Absolument. Et son invention va le mener finalement à des démonstrations assez spectaculaires devant l'empereur Napoléon III. La première sera un échec, mais la deuxième marchera. Et qui va le mener aussi à l'exposition universelle de 1878, où on le verra fabriquer des blocs de glace grâce à cette machine. La première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi vous avez eu envie d'écrire un livre sur Augustin Mouchot ? Eh bien, ce qui m'a intéressé, c'était d'abord le côté oxymorique du personnage, son côté contradictoire, cette espèce de croisement mystérieux entre un homme profondément froid, rigide, solitaire, timide, maladif, chétif, rabougri par la vie, qui n'a absolument rien de chaleureux et qui tout à coup a voulu conquérir son inverse, son opposé astral, a voulu conquérir la chaleur, la beauté, la grandeur et tout ce qui donne la lumière, toute la force comme ça, toute la vitalité intérieure palpitante et pétillante du monde. Et il y avait comme ça cette espèce de rencontre fabuleuse entre cet homme et l'astre, dans une lutte secrète, mais également dans une sorte de baiser muet qu'ils avaient entre eux. Et c'est là-dessus que j'ai essayé de poser le roman, si bien, et là, je ne sais pas si on va rentrer dans la cuisine de l'écriture, mais que je me suis amusé à que la majorité des descriptions soient souvent également oxymoriques et de faire une sorte de jeu de jonglage avec que chaque adjectif trouve son espèce d'opposé pour faire un jeu de noir-blanc, comme ça, de yin-yang, de deux mains. Pour montrer justement le côté aussi était allégorique de l'homme. Donc c'est d'abord ça ce qui m'a intéressé. Et après, en effet, j'ai fait énormément de recherches pour voir si la réalité pouvait être suffisamment étonnante, suffisamment surprenante,
que la fiction que moi j'avais imaginée de ce personnage. Et la réalité en général dépasse la fiction. Enfin, elle peut se donner le luxe d'être invraisemblable. Et où est-ce que vous êtes allé le déterrer, Augustin Mouchot? Où est-ce que vous avez entendu parler de lui? Absolument par hasard. De la même manière que dans l'histoire de la science, on trouve les choses par sérendipité, eh bien c'est vraiment par hasard que j'ai trébuché sur ce personnage en regardant une série documentaire de l'astrophysique de Neil deGrasse Tyson, Cosmos, dans lequel tout à coup on se met à parler de ce personnage. On met en lumière cet instant que vous avez si bien évoqué en 1878 lors de l'exposition universelle où, brusquement, pour la première fois de l'humanité, cet homme parvient à construire un bloc de glace avec la seule force du soleil, parvient à faire du froid avec du chaud. Et l'image m'a tellement plu que je me suis davantage intéressé en me disant que c'était peut-être une bonne scène à faire. Mais qui est finalement ce personnage? Et puis j'ai observé que ce personnage avait lui aussi cette espèce de grande contradiction intérieure. Et en faisant davantage de recherches, je me suis rendu compte qu'on tombe, et ça Emma le dira beaucoup mieux que moi, dans ce siècle fascinant de révolution industrielle dans lequel on a cherché sans cesse, d'une façon boulimique et gourmande, à trouver une nouvelle source d'énergie qui ne soit pas le charbon. Et à ce compte, alors, ce personnage apparaît dans une espèce de siècle et est projeté dans le tourbillon du siècle et lui donne quelque chose de puissant, parce qu'il lui donne du relief, et en même temps, il est complètement écrasé par lui. Alors justement, Emma Karenini, donc vous avez écrit un essai qui est sorti l'année dernière sur le Soleil, et vous faites l'histoire de notre rapport au Soleil depuis l'Antiquité, à la fois à travers son rôle dans les différentes sociétés, les religions, dans la vision de voir le monde. Vous racontez aussi que le Soleil a inspiré les philosophes, de Platon à Nietzsche, et des écrivains comme Camus et Paul Valéry. Et la première question, justement, c'est pour rebondir sur Augustin Mouchot. Vous parlez de ces inventeurs, entre guillemets, qui ont essayé de capter directement le soleil. Vous parlez notamment d'Archimède, vous parlez notamment de Léonard de Vinci. Et est-ce que vous aviez entendu parler d'Augustin Mouchot? Absolument pas. Je n'ai jamais entendu parler d'Augustin Mouchot. J'avais, par contre, lu l'œuvre de Zola qui s'appelle Le Travail. Dans laquelle il parle de cette exposition universelle qui l'a beaucoup impressionné. Zola, quand il écrit cette œuvre, il est exilé en Angleterre suite à l'affaire Dreyfus. Et il est très optimiste du point de vue des techniques, de la science. Et il y a cette exposition universelle où il parle de cet inventeur qui s'appelle Jordan, qui est passionné du soleil. Et il parle justement, il y a tout un extrait où il parle de cette possibilité pour l'homme d'avoir une énergie solaire qu'on pourrait inventorier, qu'on pourrait garder dans des greniers, tel le charbon, et pouvoir remédier à tous les problèmes de l'humanité, une forme de panacée universelle qui est en fait un fantasme et un rêve. Et je me souviens de ce passage-là, et quand j'ai découvert Augustin Mouchot, ça a fait un peu écho, mais je ne connaissais pas le personnage. C'est assez d'ailleurs intéressant et significatif que ce personnage ait été complètement oublié par l'histoire, alors même qu'il a été quand même assez connu à l'époque, de telle sorte que en fait, c'est comme si notre histoire avait été écrite au prisme de ce qui avait été les conditions de son succès, à savoir les énergies fossiles, comme si on avait complètement oublié toutes les autres énergies, comme l'énergie solaire de Mouchot. Est-ce que justement, jusqu'au XXe siècle, on a oublié ces savants un peu fous, ou ces visionnaires qui ont voulu capter l'énergie du soleil? C'est pas le cas seulement d'Augustin Mouchot, mais d'autres cas sans doute. C'est vraiment à partir du XXe siècle finalement où on commence à se dire qu'on va arriver à stocker, comme vous disiez, peut-être, ou en tout cas à utiliser de manière efficiente cette énergie solaire. Oui, alors c'est vrai que quand on réfléchit à l'énergie, c'est intéressant de se dire que l'énergie solaire, en fait, est la source de toutes les énergies, hormis l'énergie nucléaire, et que toute notre histoire, d'une certaine manière, pourrait être lue comme le progrès de l'humanité vers cette énergie solaire qu'on n'a jamais réussi à capter. On sait que scientifiquement, on reçoit 7000 fois plus d'énergie solaire qu'on ne peut en consommer, et que c'est une énergie en fait qu'on n'a jamais vraiment
su capter. Alors on a effectivement des cas dans l'histoire, on a parlé de Archimède avec ses miroirs paraboliques qui grâce à ces miroirs et à l'énergie solaire arrivent à repousser l'ennemi. On pense aussi, j'en ai parlé dans mon livre, à Léonard de Vinci qui avait eu cette invention qui n'est pas très connue de miroirs de plusieurs kilomètres pour essayer d'alimenter en énergie les usines de la ville, les ateliers. Et donc, bon, c'est une invention qui n'a jamais vu le jour parce qu'en fait, à chaque fois, ce sont des inventions qui sont comme avortées parce qu'on n'arrive pas. En fait, c'est quelque chose d'assez difficile. Et quand on regarde l'histoire, en fait, effectivement, c'est une énergie qui arrive très tard, 20e, 21e siècle. En fait, on y arrive à peine. Donc, c'est paradoxalement une énergie de société assez sophistiquée d'un point de vue technique. Alors, j'ai trouvé dans le livre de Miguel Bonnefoy quelque chose qui m'a paru faire écho entre vos deux livres, entre le roman et l'essai, c'est qu'il bâtit sa machine Oscar, en fait. Et c'est pas lui qui décide de la baptiser. Hein, et vous écrivez... Octave. Oui, Octave. Et, beaucoup mieux Oscar, mais malheureusement, j'ai pas eu l'idée. J'aurais beaucoup aimé. Et vous écrivez, on disait que l'empereur Octave était si beau que tout le monde baissait les yeux devant lui, même le soleil. Et on trouve dans le livre d'Emma Carinini beaucoup d'empereurs comme ça, qui, en particulier, je crois, Aurélien, qui se sont servis du soleil comme un espèce de symbole de pouvoir. Qu'est-ce qu'apportait finalement à ces gouvernants, à ces empereurs de faire du soleil finalement une espèce de symbole de religion, de culte? Alors c'est une question très intéressante parce que quand on se penche sur l'histoire des religions et notamment des monothéismes, on se rend compte que le soleil, il y a un lien entre les monothéismes et le soleil, puisque le premier culte monothéiste, c'est un culte égyptien, c'est Akhenaton qui instaure un culte solaire, notamment pour lutter contre le pouvoir sacerdotal, et il utilise le soleil à la fois comme, c'est beau, c'est esthétique, mais aussi comme un outil stratégique de légitimation de son pouvoir, puisque le soleil est l'astre souverain et dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Après, effectivement, je parle de l'empereur Aurélien dans l'Empire romain tardif, qui... a un intérêt, un goût particulier pour le soleil. Il aime beaucoup les néoplatoniciens. C'est vraiment quelque chose qui l'intéresse personnellement. Mais il a un problème, cet empereur, c'est que son empire est maintenant trop grand. Des terres qui sont tellement élargies, avec des peuples et des cultures qui sont tellement variées, qu'il se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour garder notre autorité, nous, Romains, sur toutes ces contrées. Et donc, il a l'idée assez géniale, en fait, d'instaurer un culte solaire dans lequel tout le monde va pouvoir se reconnaître, puisque le soleil, tout le monde le connaît. C'est quelque chose qui est assez familier. Et tout le monde reconnaît aussi une forme de transcendance, de supériorité dans cet astre qui va pouvoir en fait asseoir son autorité auprès de toutes ces cultures qui, par ailleurs, dans l'histoire, gardent leur propre religion locale et en fait arrivent à combiner un peu les deux. Et c'est pas un drôle de nom, ça, pour une machine à fabriquer du soleil, Octave, justement, Miguel Bonnefoy? Oui, absolument. Non, c'est absolument un drôle de nom. Je dois reconnaître que, en partie, le livre a été pensé alors que j'habitais à Rome. À ce moment-là, j'étais en train de lire La vie des empereurs romains de Suétone, et donc j'étais tombé sur le chapitre sur Octave. En fait, c'est sur Auguste Ier. Et à ce moment-là, il disait qu'il était si beau que même le soleil baissait les yeux devant lui, n'en fléchissait les plier le genou devant lui, quelque chose comme ça. Non, mais c'était, l'image était très belle. Et donc, naturellement, je me suis dit qu'il y avait des correspondances possibles pour donner un peu d'épaisseur à cette machine, à cette première machine. Et en plus, il se trouve que mon premier roman s'appelle Le Voyage d'Octavio, et donc j'avais envie de faire un lien de passerelle, non, de traboule, de galerie souterraine entre les livres pour faire des échos, des réponses. Et je me suis permis cette coquetterie. En fait, c'est une fleur à la boutonnière. C'est naturellement que je ne sais pas si Mouchot a réellement appelé ou pas
C'est sa machine octave. Ça s'appelait en réalité l'héliopompe, c'est ça? Alors, c'est son premier brevet, en effet. Le premier brevet qu'il dépose, c'est une héliopompe. Mais tout simplement parce qu'on est en plein dans la voracité du charbon. On est en train de faire des mines. Les mines régulièrement s'inondent et il faut trouver un système de pompe pour pouvoir sortir l'eau, pour ne pas avoir une noyade de tous les ouvriers. Et lui trouve une machine qui peut pomper de l'eau avec la force du soleil, donc une héliopompe, et qui lui permettra ensuite, alors qu'il est en Algérie, de pouvoir relever les nappes phréatiques pour pouvoir aider à l'agriculture en irriguant les cultures et les sillons avec le même système de pompe. Donc ça, c'est son premier brevet, mais il aura tout un éventail très large de brevets différents, et cette machine Octave, qui est celle qu'il présente devant Napoléon III, encore une fois, il ne lui a sans doute pas donné de nom. Et s'il lui a donné un nom, ce n'est pas resté dans les archives et dans les archives de l'histoire. Toutefois, je me suis dit que pourquoi pas, je me permettrais une sorte de jeu de mousquetaire, non, en l'appelant Octave et en faisant le lien avec l'autre livre. Mais bon, encore une fois, hein, c'est un petit clin d'œil. Justement, comment on écrit un roman comme ça d'inspiration biographique en ayant, j'imagine, vous avez enquêté sur la vie d'Augustin Mouchot. Qui sans doute avait beaucoup de blancs puisqu'il était totalement oublié, et en même temps vous avez comblé les blancs peut-être en accentuant le contraste, ce que vous disiez au début, entre l'aspect falot du personnage et la lumière, oui, de son invention. Comment est-ce qu'on... Exactement. Eh bien, ça a été ce jeu-là, en essayant de me laisser tenter par la fiction tout en restant fidèle à la réalité. Et cette loyauté qu'on essaye d'avoir à la biographie ou à l'histoire, que Emma fait largement mieux que moi, eh bien, que je trouve vraiment passionnante, moi je me suis peut-être séparé un petit peu de ça en me disant que dans les lacunes, dans les trous, là où je trouvais en effet qu'il y avait des espaces vides, je me permettrais peut-être de raconter quelque chose qui serait vraisemblable, de la fiction vraisemblable, mais qui permettrait parfois de donner un sentiment de plus réel que le réel. Vous savez, ça me fait penser à Stefan Zweig, qui lui ne finit jamais ses livres avec des bibliographies, avec des index ou avec des notes de bas de page pour essayer de donner toutes les légendes et tout son travail de la bibliothèque qu'il y a derrière un livre, parce que justement il se permet lui aussi énormément de liberté, et c'est des libertés qui, de temps en temps, lorsqu'il arrive à faire une scène qui réduit parfaitement la psychologie d'un personnage, qui trouve la molécule fondamentale d'un homme, eh bien, il lui donne tout à coup une scène qu'il n'a pas vécue, mais qui permet de parfois mieux dire le profil psychologique du personnage que s'il s'était lancé dans des longues pages historiques. Et je pense, par exemple, au deuxième chapitre de la biographie de Casanova, un chapitre qu'on appelle « Le chevalier de Sengal », dans lequel il raconte une scène que Casanova n'a jamais vécu dans un théâtre italien, qui est sublimissime. C'est une scène, c'est 7 pages. Et elle est tellement bien écrite et raconte si bien ce côté fanfaron, ce côté tribun, comme ça, ce côté farfalé que pouvait avoir Casanova, que des biographes, bien des années plus tard, en faisant des biographies sur Casanova, revenaient en parlant de la scène du chevalier de Sengal, en disant, bien entendu, la scène du chevalier de Sengal, et non, elle n'a jamais existé, mais elle a été tellement bien racontée qu'elle a fini par être plus réelle que le réel. Et j'aimais cette idée. Alors bien sûr, je n'y suis pas parvenu parce que je n'ai pas assez de talent. Toutefois, c'est ce que j'ai voulu faire dans cette espèce de chemin, comme un arc tendu, en essayant de trouver quelques scènes qui pouvaient donner au personnage toute sa force messianique et d'un autre côté, tout son côté ridicule et illusoire. Et c'est là-dessus que j'ai essayé de jouer. Et pour revenir au soleil, comment est-ce que dans la fiction on peut jouer justement sur cette histoire de lumière et de soleil, d'ensoleillement, notamment les scènes où il est sur le Djebel Chelia dans les Aurès, où on a l'impression, oui, qu'il est écrasé de lumière. Comment est-ce que, oui, en fiction on travaille cette matière-là qui est de donner une luminosité au texte? Ouais, non, ça c'est une très très belle question. Alors en plus je vous remercie parce que vous soulignez exactement le passage où j'ai peut-être le plus inventé. Et lorsque je faisais mes recherches pour constituer toutes les colonnes de sa vie,
je me suis aperçu qu'il y avait peu d'informations sur Internet et dans les archives de Pierrefitte, de Dijon ou de Tours sur son passage algérien. Je suis donc allé à Aix-en-Provence, où il y a les archives municipales d'Aix-en-Provence, où se trouvent toutes les archives des colonies françaises. Je suis arrivé, j'ai pris un Airbnb pendant 5 jours, juste à côté des archives, et j'ai passé 5 jours avec un monsieur qui s'appelait Didier, à essayer de trouver en effet le plus d'informations possibles sur l'Algérie. 5 jours après, avec Didier et toutes les autres personnes, puisque tout le monde avait compris qu'il y avait un homme qui était en train de chercher des informations sur Mouchot, on n'a pas trouvé une seule ligne sur lui en Algérie. Pas une seule ligne. Je me souviens d'avoir alors appelé mon éditrice 5 jours plus tard en lui disant « Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, je ne trouve aucune information sur tout le passage algérien de Mouchot, qui est relativement important parce qu'il se brûle les yeux là-bas. » Donc il y avait une sorte d'apothéose comme ça, narrative, pour pouvoir ensuite le faire chuter. Non, un système pyramidal. Je pense que ça va compromettre l'écriture du livre. On se retrouve dans une situation qui est délicate parce que je ne sais pas quoi faire. Et elle m'a répondu après un long silence. Mais enfin, cher ami, fais ce pour quoi je te paye. Invente. Invente. Et écoute, ça a été une sorte d'autorisation, une sorte de permission qu'elle m'a donnée pour pouvoir me permettre le luxe de me lancer alors dans ces chemins labyrinthiques et sinueux de la fiction, en me disant, c'est sans doute vraisemblable, je sais qu'il est arrivé jusqu'en haut du Mont Chéliat, je sais qu'il a fini aveugle, et à partir de maintenant, je vais essayer de donner à cette scène une aura un petit peu biblique, comme ça, quelque chose qui soit solaire. C'est intéressant ce que vous racontez sur, finalement, aucune trace, et donc là, il faut laisser libre cours à l'imagination. Totalement. Et heureusement qu'il n'y avait aucune trace. Je remercie aujourd'hui Mouchot de n'avoir laissé absolument aucune trace sur ce passage algérien. Comment en effet on donne ensuite de la luminosité au texte? Bueno, bien entendu qu'il y a des ruses, bien entendu qu'il y a des astuces, mais heureusement que l'écrivain lui-même ne se rend pas compte de ce qu'il fait tout à fait lorsqu'il est en train d'écrire son livre. Et il y a cette belle image de Giono que vous connaissez peut-être, où il dit qu'un écrivain est comme un petit enfant qui est en train de constituer une tour de pierre, une tour de cailloux. Il est vraiment obnubilé sur cette tour de cailloux pour qu'elle ne tombe pas, comme un écrivain est concentré sur sa structure narrative pour être sûr qu'elle ne va pas tomber. Et il oublie qu'il y a une lumière à côté qui illumine cette tour et qui crée une ombre qui est tellement plus large, tellement plus vaste, tellement plus grande, qui ressemble à un clocher d'une cathédrale. Et ça, c'est ce que le lecteur voit. Mais lui ne le voit pas, et heureusement, il est juste concentré dans la structure narrative et romanesque de son texte pour que ça ne se casse pas la gueule. Et je trouve très beau, en effet, de parler tantôt avec des lecteurs et des bibliothécaires, avec des traducteurs, avec, bien entendu, les lecteurs, les journalistes, etc., qui finissent par éclairer ton texte d'une autre façon, parce qu'eux voient cette ombre que toi, malheureusement, tu ne peux pas voir. Donc je vous remercie pour cette luminosité de ce passage, mais hélas, je n'ai absolument aucune idée de comment cette lumière est arrivée là, et heureusement. Oui, mais alors les prochaines biographies d'Augustin Mouchot, on va copier ce passage en expliquant que... Ouais. Ce serait le plus beau, ça c'est le plus beau des cadeaux, non? Enfin, ça c'est le plus beau des cadeaux. On pensera peut-être que c'est vrai, non? Mais comme disent les Italiens, se non è vero, è ben trovato, non? Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Emma Carinini, vous avez... Je voudrais revenir à la raison pour laquelle vous avez fait un livre sur le soleil. Alors, c'est d'abord une motivation très personnelle, puisque je suis née dans le sud de la France, j'ai grandi dans le sud de la France, donc un endroit où il fait toujours très beau et probablement la lumière est peut-être un peu plus intense, et qui, je pense, laisse pour toujours une sensibilité à la lumière que j'ai retrouvé chez des auteurs comme Giono, comme Pagnol et d'autres qui ont cette capacité poétique, cette capacité de restituer justement cette lumière qui est absolument magnifique. Je pense par exemple aux magnifiques nouvelles de Camus, Noces et été, qui m'ont beaucoup inspirée pour ce livre, qui m'ont donné envie d'écrire un livre qui serait comme le compte-rendu objectif
l'histoire, une histoire plus objective, plus peut-être distanciée un peu de notre rapport au soleil, qui ne soit pas juste poétique, et qui m'a vraiment donné envie, parce que je trouve que ce sont des textes magnifiques. Et par ailleurs, d'un point de vue plus théorique, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est un étonnement, en fait, une sorte de paradoxe qui est contenu dans cet astre, qui est le soleil, qui est cette énergie abondante qu'on reçoit cet astre est là avant nous, enfin il était là avant nous, il sera là probablement après nous, et cette énergie abondante que l'homme n'a pas réussi à capter, n'arrive pas à capter, et c'est une forme de tragédie en fait que je trouve aussi très bien illustrée dans votre livre, Miguel, parce que c'est un peu l'histoire d'Augustin Mouchot, quoi. C'est une forme de périple un peu tragique et un peu comique aussi parfois de cet homme qui essaye de capter cette énergie. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cette histoire parce que c'était un peu aussi ce qui m'a étonnée, ce qui m'a motivée aussi au départ. Et justement, vous disiez que c'était un peu Camus et son recueil Noces qui vous avaient inspiré. Et c'est l'exergue de votre livre. Et si vous pouviez le lire, c'est un très beau passage. Tout à l'heure, quand je me jetterai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum dans le corps, j'aurai conscience, contre tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. Dans un sens, c'est bien ma vie que je joue ici. Une vie à goût de pierre chaude, pleine de soupirs de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. La brise est fraîche et le ciel bleu. J'aime cette vie avec abandon, et veut parler avec liberté. Elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Pourtant, on me l'a souvent dit, il n'y a pas de quoi être fier. Si, il y a de quoi. Ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Donc c'est un texte de Noces en 59, il a 26 ans, il me semble, donc très jeune, et c'est Camus qui se balade dans les ruines de Tipasa, son village d'origine, et qui fait cet éloge au soleil qui est absolument magnifique. Alors on a l'impression qu'il y a quelque chose à la fois de physique, le corps qui est au soleil, et en même temps quelque chose de très spirituel, en fait. Et vous développez dans votre livre l'idée que la pensée occidentale s'est beaucoup inspirée, en fait, de la pensée méditerranéenne, en fait, pour la philosophie occidentale, pardon, s'est beaucoup inspirée de la vie méditerranéenne, finalement. Et notamment, vous dites... une phrase qui est très belle, il y a une pensée faite soleil qui n'est pas la même qu'ailleurs, c'est celle de Virgile, de Valérie et de Camus. Oui, alors effectivement on est en Méditerranée là, et c'est un environnement particulier d'un point de vue géographique et d'un point de vue aussi du point de vue de la lumière. Cette idée, cette hypothèse que j'ai formulée dans mon livre, en fait je la reprends et je cite Paul Valéry, qui dans un de ses écrits sur la Méditerranée dit que en fait la lumière de la Méditerranée est à l'origine de la pensée occidentale et de la philosophie. Alors quelle est en fait sa thèse? C'est une thèse poétique, bien sûr, hein, c'est pas historique, c'est pas exact, mais c'est une belle thèse et qui, je pense, a aussi quelque chose d'assez significatif et d'assez parlant, dans le sens où Paul Valéry nous dit... On me voit ou pas, je ne sais pas. Paul Valéry nous dit que la philosophie, en fait, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas seulement des concepts, c'est aussi quelque chose qui est né quelque part, dans une géographie particulière, et que ce n'est pas un hasard si la philosophie est née en Grèce. Il nous dit parce que
en Grèce, on a une lumière tellement intense que les choses ont des contours et on peut voir les choses, on peut délimiter les formes. Et la géométrie est possible, la mesure du temps est possible grâce au soleil qui va par exemple permettre de mesurer des pyramides grâce à l'ombre d'un bâton, qui va permettre de mesurer le temps grâce au cadran solaire. Et donc il montre que ce soleil a permis un rapport presque géométrique, en tout cas philosophique au sens d'aspiration à la connaissance, qui ensuite... Enfin, se retrouve aussi chez des auteurs philosophiques, enfin, des philosophes comme Aristote, qui nous dit la connaissance commence par la vision. C'est-à-dire, on commence de connaître en voyant les choses, en voyant cette multiplicité de différences, cette multiplicité de formes, ce qui nous permet de connaître et ensuite de commencer à réfléchir. Donc c'est une thèse poétique, bien sûr, encore une fois, mais qui, je trouve, est très belle. C'est une très belle thèse et en même temps, vous dites le soleil permet la vision et en même temps, on ne peut pas regarder le soleil en face. C'est en même temps la métaphore de la vie et en même temps celle de la mort. Et on trouve, pour rapprocher ça de la vie d'Augustin Mouchot, il y a la même métaphore de cette ambivalence. Le soleil le fait rentrer dans la lumière du succès et en même temps, il va devenir aveugle parce qu'il s'est trop exposé sur le Djebel Chelia en Algérie. Comment la philosophie pense-t-elle ce paradoxe finalement entre la vision, donc la lumière, le fait de pouvoir simplement vivre et de voir les choses, et en même temps le fait de ne pas pouvoir regarder le soleil en face et de pouvoir en mourir? Alors il y a une très belle maxime qui résume, une fameuse maxime qui résume votre question, qui est la maxime de La Rochefoucauld. Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, et qui, en fait, nous dit quelque chose d'assez simple. En fait, le soleil comme la mort ne peuvent se regarder en face, puisque le soleil, on ne peut pas le voir, et la mort, on ne la verra pas, puisqu'on sera mort, enfin, si on pense d'un point de vue épicurien. Mais d'un autre côté, le soleil, c'est ce qui rend visible les choses. Donc, de la même manière, la mort, c'est ce qui donne du sens à notre vie. En fait, c'est une analogie, cette phrase. Et c'est intéressant parce que le soleil comme la mort sont comme des... Ça permet de comprendre, en fait. Ça permet de comprendre même si on ne peut pas les voir, même si on ne peut pas les affronter, enfin, les voir de face à face, quoi. Oui, Miguel, oui. On me voit ou on m'entend parce que j'ai été coupé. Oui, on vous voit de nouveau. D'accord, entendu. Très bien. Pardon, j'ai pas suivi ce que disait Emma, qui avait l'air vraiment passionnant et essentiellement. Justement, on parlait de l'ambivalence du soleil entre la lumière qui permet de voir, oui, et en même temps, on peut pas le regarder en face. Et je parlais d'Augustin Mouchot, où il y a cette ambivalence dans sa vie, où finalement il est arrivé à la lumière parce qu'il a eu du succès avec sa machine à un moment donné. Et en même temps, il est devenu aveugle. Donc, à force d'avoir regardé le soleil en face, vous avez aussi beaucoup joué sur cette espèce de pièce, l'envers et l'endroit, quoi. Puisqu'il va terminer sa vie dans une rue à Paris, dans un taudis, complètement aveugle, et voire sourd d'ailleurs. Absolument. Hein. Oui, c'est ça, partiellement sourd. Et oui, c'est ça, c'est à la fois sa perte et sa grandeur. Et oui. tu seras élevé par le glaive et tu périras par le glaive. Non, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'élève et qu'est-ce qui te fait tomber. Et finalement, c'est la même chose, c'est-à-dire la même démence, non, qui t'emmène vers des hauteurs nébuleuses et fantastiques, éclairées, illuminées, et cette même folie qui va te faire sombrer dans des profondeurs. Et bien, c'est le cas de Nietzsche, puisque je sais qu'Emma en parle énormément dans son livre. Et ce que j'ai pu entendre dans des fragments mystiques par rapport à cette espèce de virtualité dans laquelle on est, c'est cette très belle idée que la philosophie serait née grâce au soleil, parce qu'on pouvait, avec sa lumière, y voir la précision des contours et donc saisir peut-être des nuances de choses qu'on n'avait pas vues dans des lieux où il fait plus noir, où il fait plus sombre. J'avais également entendu que
que la Renaissance italienne et le Rinascimento étaient peut-être nés aussi de cette lumière romaine qui donnait justement des reflets, qui donnait des ombres, qui donnait des contours, qui donnait ce je ne sais quoi qu'on n'avait pas, par exemple, dans des fjords scandinaves. Et que s'il y a eu une profusion d'artistes peintres dans la Rome de ce moment, alors bien entendu pour mille autres raisons historiques qui se sont alignées naturellement, mais que d'une façon un petit peu poétique, comme ça, on pourrait se permettre de dire que le soleil a fait partie. Non, de... Heureusement que le soleil était là pour que Raphaël puisse naître et que la chapelle Sixtine puisse se faire, c'est, non, en quelque sorte. Bon, l'idée est belle là-dessus. Et ce que je voulais également souligner, c'est, et je le dis très honnêtement, sans aucune fausse démagogie, c'est que je pense que mon livre aurait été meilleur si j'avais lu celui d'Emma avant. Sans aucune démagogie. Non, je le dis très honnêtement parce que je le trouve non seulement très complet, enfin, c'est un voyage dans l'anatomie du soleil qui est absolument merveilleux. C'est-à-dire, elle a posé le soleil sur une table d'opération avec un bistouri là ouvert et on a à l'intérieur tout le travail des boyaux comme ça, des vénures, tout le cœur battant. Enfin, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce genre d'organisme fabuleux du soleil, très complet. Mais en plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle langue derrière, au point que je me suis demandé si Emma avait déjà écrit des romans ou si elle était sensible à la poésie ou des choses comme ça, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des passages que j'ai soulignés en me disant ça c'est au-delà du côté essayiste. Enfin, on y voit vraiment une plume littéraire. Donc, bah, vraiment, merci vraiment, Miguel, ça me fait très plaisir parce que le style est très important pour moi, même si aujourd'hui on bouge après avoir écrit des livres parce qu'on se dit ah, ça c'est trop lourd, etc. Mais ça me fait très plaisir que tu sois attentif à ça. Et effectivement, j'ai jamais écrit de roman, mais pour moi c'est quelque chose encore plus. C'est le haut du mont Shelia pour moi. C'est peut-être c'est difficile. Enfin, voilà, en tout cas peut-être un jour, mais. Écoute, moi, je ne quitterai pas ce monde sans avoir lu ton premier roman. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Miguel Bonnefoy, c'est par rapport au fait que la philosophie, enfin la lumière du sud, d'Italie, etc., fait que y a quelque chose abordé dans votre livre, c'est la théorie des climats, qui est assez, que d'ailleurs. Finalement, on pense toujours à ça, on pense toujours, enfin, on se dit qu'a priori, dans le sud, les gens sont plus ensoleillés, sont plus, voilà, sont plus philosophes, sont plus heureux, sont plus, et que dans le nord, ce n'est pas le cas, ils sont froids, ils sont ternes, etc. Est-ce que c'est une théorie qui, finalement, qui a existé longtemps et qu'on trouve encore aujourd'hui? Alors, c'est vrai que les théories climatiques, aujourd'hui, n'ont pas bonne presse dans le sens où c'est sans. C'est considéré comme quelque chose d'un peu fantasque quand vous avez Montesquieu qui nous dit que les gens du sud sont plus mous et que les gens du nord sont des ivrognes. On se dit, bon, c'est peut-être un peu un raccourci. En revanche, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je parle de Montesquieu parce que c'est le représentant de ces théories climatiques. J'ai trouvé que c'était très intéressant, notamment dans le postulat, c'est-à-dire le présupposé en fait, de ces théories. Qui disent, et c'est Montesquieu qui dit, le climat est le premier des empires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs causes qui concourent, qui jouent dans la naissance d'une société et d'une culture. Il y a les causes politiques, les causes économiques, bien sûr, ce sont les causes qui sont souvent les plus considérées par les historiens. Mais Montesquieu nous dit, il y a aussi les causes naturelles. Et les causes naturelles, ce sont par exemple le climat, la lumière. Et alors, je pense qu'il y a quelque chose à redécouvrir peut-être dans ces théories climatiques, dans le sens où on se dit évidemment que nous ne sommes pas un empire dans un empire, comme dirait Spinoza, c'est-à-dire que nous sommes ancrés dans un territoire, dans un climat, dans une atmosphère particulière, et que évidemment que ça a une influence sur nos mœurs, sur notre culture. Et c'est aussi ce qui m'a intéressée. Je pense que c'est un présupposé qui est vraiment ben, à la fois presque évident et en même temps très intéressant, je trouve. Absolument. J'ai envie de rebondir sur ce que dit Emma, qui est très juste, mais moi je le vois aussi du côté d'Amérique latine. C'est-à-dire que très souvent, dans les régions tropicales, on a dit que si
le Venezuela, la Colombie ou toute la Caraïbe étaient peut-être un peu plus paresseuses que d'autres pays, c'est peut-être justement parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de labourer la terre, comme a dû le faire par exemple un paysan russe qui a besoin en effet de se déchirer les mains pour pouvoir sortir une pomme de terre des cultures et de l'agriculture slave. Et donc en effet, là-bas, lorsque tu as le ciel est rempli d'oiseaux, lorsque tu as des manguiers sans cesse dans toutes les villes qui sont lourds de mangues, lorsque n'importe quelle rivière est gorgée de poissons, eh bien ceci pendant des siècles fait que tu te dis mais à quoi bon être en train de prévoir, travailler, faire des garde-manger, organiser, structurer ton année, puisque de toute façon tout est là, tout est possible. Et donc une sorte de paresse comme ça s'installe dans presque une sorte d'ADN de peuple, si bien que ça devient une sorte d'idiosyncrasie même du pays. Au point qu'au bout d'un moment, ben voilà, t'es plus au ralenti parce que tu sais que quoi qu'il arrive, demain, il y aura de quoi manger. Et peut-être même que la grande malédiction du pétrole vénézuélien, qui a constitué dans les années 20 une monoproduction pétrolière et on n'a plus rien cultivé alors qu'on est dans des terres qui, on pourrait jeter n'importe quelle graine et en quelques heures ça pourrait naître, ça montre encore une fois cette espèce d'assise confiante qu'on a en nos mines riches de pétrole et qui font que quoi qu'il arrive, on sera de toute façon un des pays riches d'Amérique latine. Et donc il y a quelque chose par rapport au climat, par rapport aux minéraux, par rapport au sucre, par rapport à tout ce qui nous entoure, et je suis absolument convaincu avec toi qu'il ne peut pas ne pas y avoir de porosité entre la psychologie des peuples et les couches géologiques dans lesquelles ils sont assis. Et même ça se vérifie d'un point de vue médical, puisque... On sait aujourd'hui que la lumière du soleil est quand même très importante pour le moral. On vous fait prendre de la vitamine D, etc. Enfin, il y a quand même quelque chose de médical aussi, enfin, d'avéré scientifiquement. Vous parliez du fait que les gens dans le sud étaient peut-être plus heureux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est peut-être à cause de ça aussi. Le médical, il y a eu toute une époque aussi où on a soigné les sanatoriums, les solariums, toute une époque où on a considéré que ça pouvait... C'est justement l'époque d'Augustin Mouchot, l'époque de la révolution industrielle, qui est une époque qui s'est érigée contre le jour, puisque c'est l'avènement de la lumière artificielle, ce sont les énergies fossiles, ce sont des énergies qui ne sont pas... qui n'est pas l'énergie solaire, et qui a coupé l'humanité des textures, des rythmes de la nature, puisque à partir de cette période, ce n'est plus le soleil qui fait le calendrier, qui fait l'emploi du temps, puisque avant, quand on était paysan, on se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil, il n'était pas du tout question de travailler la nuit. Avec la lumière artificielle, cette révolution industrielle arrive, en fait, la possibilité de faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le fameux 24-7 de Jonathan Crary, qui explique très bien c'est depuis cette période-là qu'on a cette exigence de disponibilité permanente qui est issue de cette révolution industrielle. Et c'est à cette époque, paradoxalement, enfin, et en même temps très logiquement, que naissent ces médecines naturelles qui redécouvre, comme un peu on redécouvre l'eau chaude, quoi, qui redécouvre les bienfaits de la lumière, et donc fleurissent les écoles au soleil, toutes les héliothérapies, il y a plein de médecins qui envoient aussi, on a des anecdotes connues, de Nietzsche qui va dans le sud, John Keats qui est envoyé en Italie, à chaque fois quand vous avez des problèmes de pneumonie et d'autres maladies, on vous envoie dans le sud parce qu'on vous dit que la lumière du soleil va vous guérir, etc. Donc on revient à des médecines qui en fait, s'érigent contre des médications artificielles ou des médications purement médicamenteuses, quoi, pour aller vers des médications plus ancrées dans l'environnement. C'est l'environnement qui va vous guérir et pas des médicaments qu'on va vous administrer d'une certaine manière. Oui, absolument passionnant. Absolument. Oui, il y a aussi Thomas Mann qui est à Paris, tu vois, pas loin justement d'ici, dans la Côte d'Azur. Lord Byron qui descend également dans le sud, en effet, et John Keats, bravo, enfin, qui meurt à 25 ans dans les journées les plus lumineuses de Rome, et pourtant il meurt là,
à côté de la Piazza Spagna, comme ça. Enfin, il y a un truc comme ça qui est très beau. Et je trouve ça magnifique ce que tu dis, Emma, par rapport au fait que ce siècle, le 19e siècle, il s'est érigé contre le jour. Je trouve ça super beau. Et d'un autre côté, paradoxalement, comme tu dis, non, dans cette... il y a l'idée aussi des utopies et de la conscience sociale. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, bien sûr que c'est le siècle sombre, dans le sens justement, et d'un autre côté, en fait, c'est un siècle qui a quelque chose de lumineux, parce qu'on ne peut pas imaginer de la science sans conscience sociale. On ne peut pas imaginer qu'on ne soit en train de constituer des villes sans prendre en compte, en effet, qu'il y a derrière tout un travail à faire sur un équilibre plus horizontal. Et toi, tu en parles également dans ton chapitre sur les utopies, que j'ai trouvé très intéressant, et qui est beau de faire l'analogie justement entre le soleil, ses rayonnements, non, à la Hippodamos en fait. Oui, exactement. Et d'un autre côté, avec la cité du soleil dont tu parles, qui d'ailleurs, il y a également, dis-moi si je me trompe, un essayiste italien, Tommaso Campanella, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La cité du soleil ». Dis-moi si je me trompe. C'est ça, exactement. En fait, le chapitre sur... merci de le citer, le chapitre sur les utopies, en fait, est destiné à expliquer que le soleil, en fait, n'est pas qu'un fait de la nature qui est observé par les astronomes, les physiciens. C'est aussi une valeur éthique, dans le sens où, à chaque fois que l'homme a essayé de s'imaginer ce qu'est la vie bonne, en fait, il ne peut pas l'imaginer indépendamment de certaines conditions environnementales. Et j'ai pris l'exemple des utopies. Donc, ce sont des récits qui s'imaginent des sociétés sans lieu, ni sans chronologie, donc utopia, sans topie, sans lieu, et qui sont destinées à imaginer ce que serait une société idéale, une société où on serait heureux. Alors généralement, quand on parle des utopies, on pense à des sociétés communistes. On souligne l'aspect purement politique, en fait, du fait qu'il n'y a pas de propriété, que les gens sont à égalité, qu'il n'y a pas de domination particulière. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que souvent, dans les utopies, on cite beaucoup le soleil, et c'est pas un hasard en fait, parce que en fait souvent ce sont des environnements ensoleillés qui sont décrits. Alors il y a une dimension symbolique évidemment, puisque le soleil est une forme de patrimoine commun, de bien commun en fait, qui est accessible par tous, que vous soyez riche ou pauvre. Le soleil, tout le monde y a accès, c'est un bien commun qui a cette caractéristique d'être non exclusif, c'est-à-dire que voilà, tout le monde peut y avoir accès, et non rival, dans le sens où le soleil auquel chacun a accès n'enlève rien au soleil que mon voisin va pouvoir avoir. Donc il y a, je pense, une forte dimension symbolique dans l'usage du soleil pour essayer de dessiner ces utopies et ces sociétés idéales, ces sociétés heureuses à chaque fois qu'on a imaginé. C'est en fait une métaphore du bien commun, le soleil. Oui, absolument. Et c'est, en plus, donc, Miguel, tu parlais de l'architecture solaire. Les Grecs sont les premiers à avoir compris ça, puisqu'ils essayent, au début de l'architecture solaire, donc c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils essayent de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au soleil. Et donc, ce sont des villes au plan hippodamien, comme Olympe, par exemple, où chacun, comme ce sont des villes construites de manière perpendiculaire, chacun va avoir la même quantité de soleil pendant la journée, et d'où aussi les réglementations après, bien plus tard, au 19e siècle, où on commence à légiférer sur la possibilité d'avoir du soleil dans son appartement ou pas, et le fait que ce soit inscrit dans la loi, en fait. Oui, ça, c'est incroyable, ça, que ce soit inscrit dans la loi. Exactement. Voilà. Bah, le fait aussi que c'est pendant l'industrialisation qu'on a, du fait de l'industrialisation et de la grosse urbanisation, une sorte de densification. Les gens se rapprochent, les habitats sont de plus en plus rapprochés, c'est pas forcément sain,
et on a des problèmes juridiques de lumière, en fait, puisque on se fait de l'ombre. Et il y a un architecte à cette époque qui s'appelle Augustin Rey qui essaye d'imaginer ce que serait une ville où les bâtiments ne se font pas d'ombre les uns aux autres et qu'on a toujours de la lumière. Et en fait, il calcule que l'espace entre les bâtiments est tel que, en fait, ce sont des villes qui restent des vœux pieux parce que ça ferait des villes tellement larges, tellement répandues, enfin épandues, que ça ne marcherait pas, quoi. Est-ce que je voulais revenir à l'inventeur, est-ce que votre livre, vous pensez que ça va redonner un peu de lumière au destin d'Augustin Mouchot? Est-ce que c'est déjà le cas, puisque... Alors plus ou moins, dans le sens où je sais qu'il y a eu un petit peu de remous autour, qu'il y a eu beaucoup de traductions, donc d'autres pays ont découvert l'existence d'Augustin Mouchot, et peut-être qu'il y avait une sorte de priorité de la part des Français sur le brevet déposé sur les machines solaires, alors que les Américains essayent eux aussi de faire une sorte de bras de fer. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'en effet, à Cours, il y a une plaque rue Bernard Palissy, où, dans la maison où Mouchot a construit sa première machine solaire, est érigée comme ça, cette plaque sur lui. Et elle était un peu rongée par le vent, rongée par la pluie, rongée et érodée par les éléments. Et ce qui est extraordinaire de dire que cet homme, ce pauvre homme qui non seulement a été oublié par l'histoire, cette espèce de figure de porcelaine que l'histoire a tôt ou tard brisée, même sa plaque avait été mangée par le vent et on ne pouvait plus lire son nom. Donc il semblerait que la mairie de Tours a décidé de faire une nouvelle plaque. Et donc, on m'a demandé de venir pour inaugurer cette plaque. Donc c'est quand même curieux, non? C'est aller savoir, enfin, que moi qui n'ai rien à voir avec Tours. Et une autre chose, c'est que je sais que la fille d'Augustin Mouchot, Marianne Mouchot, travaille pour le Larousse des noms propres et essaye depuis des années de faire entrer le nom Mouchot dans le Larousse des noms propres, mais n'y parvient pas parce que chaque commission refuse son nom. Et non seulement parce qu'il n'y a pas assez de documents sur lui, mais en plus parce que c'est un homme, parce qu'il est blanc, 19e, et que les commissions du Larousse, de plus en plus, essayent d'introduire des femmes dans le grand patrimoine français pour essayer de faire une parité dans l'histoire et montrer en effet que les siècles passés n'appartiennent pas aux hommes. Et ils éliminent régulièrement des généraux qui, au XVIIe siècle, ont gagné une bataille obscure dont personne ne se souvient, et essaye de sortir de l'oubli, d'exhumer de l'oubli des figures féminines oubliées pour essayer de les remettre comme ça au grand panthéon du jour. Et ce Augustin Mouchot, eh bien, hélas, n'est pas une femme. Donc encore une fois, se retrouve mis sur le banc. Enfin, que voulez-vous, c'est un destin tragique. Et l'invention d'Augustin Mouchot est aussi tombée dans l'oubli parce que c'était une époque où le charbon était plus rentable. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui ? C'est une question que je vous pose à vous deux. Est-ce que l'énergie solaire, finalement, n'est pas en train de commencer à paraître de plus en plus rentable, ce qu'il n'a pas été jusque-là, et en tout cas pas à l'époque de Mouchot ? Alors moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas spécialiste des énergies, mais je sais que c'est quelque chose encore difficile à faire. Donc comme je disais, on reçoit 7000 fois plus d'énergie solaire qu'on arrive à en consommer. Et je crois que si on arrivait juste à capter 0,01% de cette énergie, on arriverait à se passer des énergies fossiles et fissiles. Donc autant dire qu'on est quand même assez loin, mais c'est dû à... probablement peut-être la recherche aussi scientifique qui n'est pas encore assez avancée. Mais bon, voilà, du coup, c'est peut-être qu'un jour, ça arrivera, et on l'espère. Bon, moi, je trouvais Emma très optimiste. Moi, je pense, hélas, qu'il y a un lobby de grands groupes énormes qui font bloc et font barrage. C'est possible, oui. Et oui, naturellement, parce que la gratuité de l'énergie, oui, eh bien, arrange tout le monde, sauf les hommes d'affaires. Donc je pense qu'il y a un lobbying là-dessus. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un document délicieux d'un homme appelé Rodrigo Guzmán, qui a inventé des légères tours de Babel, qui seraient une sorte de colonne vertébrale
faite d'une armature mécanique qui montrait dans une sorte de plateforme de 1 km carré des panneaux solaires pour essayer de les récupérer au-dessus de la stratosphère, c'est-à-dire au-dessus des nuages, et donc pouvoir les récupérer sans cesse. Non, c'est les panneaux orbitaux, non? Pardon? Non, parce que je pensais effectivement aux panneaux orbitaux, en fait, qui seraient... Ah oui, mais en panneaux orbitaux. Vous dites, satellite qui tourne autour de la Terre. Oui, c'est alors, ça. Alors, ce serait vraiment au niveau de juste au-dessus des nuages. Alors, moi, encore une fois, je ne suis ni géologue, ni atmosphérologue, non, et je ne pourrais pas donner des détails exacts, mais j'ai trouvé que son invention était fabuleuse, parce qu'elle essayait justement de rompre un petit peu cette espèce de barre de nuages en montrant qu'on pouvait emmagasiner la plus grande quantité d'énergie solaire pour pouvoir bien sûr la rendre aux hommes et avoir cette espèce d'acte prométhéen de donner aux hommes le feu de l'Olympe, enfin, non, qui est le grand classique. Et puis c'est vrai que c'est quand même un fantasme dans le sens où c'est une énergie complètement illimitée. Donc contrairement aux énergies fossiles sur lesquelles repose notre société moderne, c'est quelque chose qui sont des énergies épuisables et stockables. On a ce fantasme d'avoir une énergie illimitée qui est une forme de luxe, de dépense sans contrepartie. Le soleil coule sur nous abondamment, mais on ne peut pas, il glisse sur nous en fait, puisqu'on ne peut pas, vraiment utiliser capturer cette énergie pour notre utilité, en tout cas pour l'instant. Exactement. Et toutefois, ton travail, le livre que tu as écrit, était humblement le mien et celui de tant d'autres personnes qui ont travaillé sur le soleil. Par exemple, celui de Rodrigo Guzmán qui essaye d'inventer d'une façon tout à fait utopique cette espèce de légère tour de Babel pour le récupérer, semble aujourd'hui de la folie, semble de l'imagination pure. Et on se dit, à quoi bon rêver à tout ça? Et pourtant, ça a souvent commencé par un récit collectif. Ça a souvent commencé par un mythe, ça a souvent commencé par une fable qu'on s'est racontée petit à petit et qui, avec le temps, a fini par se concrétiser jusqu'à devenir quelque chose. Prenons par exemple l'exemple de la Lune, puisqu'on est en train de parler du Soleil, comme ça je vois qu'on... De deux choses, l'une, l'autre c'est le Soleil. Mais on n'a pas eu le temps, en effet, de parler de la Lune, non, qui sont opposées. Et en effet, il me semble que c'est en 1867 que Jules Verne écrit « Le voyage vers la Lune », dans lequel il imagine quelque chose qui, bien sûr, à l'époque, semble absolument fou, et on se dit « c'est impossible ». Mais toutefois, lorsque le cinéma arrive début 20e, Méliès fait son premier film dans lequel il y a déjà aussi un voyage vers la Lune, où on voit la grande Lune avec des yeux, avec un nez, avec une bouche, et la fusée qui arrive, non, le rendant borgne. Et on a déjà cette Lune-là, et ceci a été inspiré par la lecture de Jules Verne. Et petit à petit, le chemin s'est fait, et il se trouve qu'en 69, c'est-à-dire presque un siècle, année pour année, après la publication de Jules Verne, on retrouve un homme qui pose pour la première fois son pied sur la Lune. Donc ça semblait une utopie il y a un siècle, et pourtant ça s'est réalisé. Ça commence par un livre, ça commence par une histoire qu'on te raconte, et à un moment ça marche. Bah, espérons que ce soit la première pierre de cet arrière-plan imaginaire. Inch'Allah, non ? Voilà. Merci à vous deux, je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre. Merci à Miguel d'avoir été en visio, en direct, qui n'est pas si simple, mais c'était précieux. Et merci à Emma Carinini. Vous pouvez, je crois que les deux livres sont... Il y a une librairie à la sortie, et donc Emma est là pour éventuellement dédicacer et signer. Et je vous remercie à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Bravo Frédéric. Bravo Emma. Merci à tous. Merci. Et encore une fois, pardon de ne pas avoir été là.